Moi, mon frère, il est bien ou quoi? Bon, comme t'as pu le voir, nouvelle machine sur la chaîne. Donc aujourd'hui, c'était un Kimco KPW 50 cm3, 4 temps, moteur style dirt bike, 50 cm3, jante à bâton en aluminium, cadre acier tubulaire, frein à tambour à l'arrière, frein à disque, laiterie à double piston, sympathique, le phare plutôt assez design, avec ses clignotants design, avec des, ça fait prise d'air sur les boîtes à air là. Juste derrière, c'est la boîte à air. Il me semble. Je connais pas tout à fait la moto, je la découvre avec vous. Voilà, elle est complète. Hein. Il manque rien dessus. Il manque absolument rien à part cette vis-là. Et le rétroviseur droit qui est cassé, c'est tout. Et vas-y, il a fait une petite fuite à 5 km/h. Bon. C'est 2017 avec 11 190 au compteur, il me semble. Biplace pour deux personnes avec les cale-pieds ici pour la deuxième personne. 6 vitesses, il me semble. Je sais pas, j'ai pas compté combien de vitesses il y avait. Je sais pas si c'est écrit là. Non, c'est pas écrit. Vous imaginez bien que si je l'ai, les rails, c'est qu'elle a un problème. Moi, j'achète tout le temps des machines vraiment 4 fois moins chères que ce qu'elles doivent, ce qu'elles doivent. Donc là, on a un souci. Voilà. Voilà. Il n'y a plus de compression. Elle démarre plus. Elle s'est arrêtée soudainement, comme s'il y avait un pignon qui avait lâché. Il m'a dit, elle a pas fait de serrage, il n'y avait pas eu de blocage, rien du tout. C'est comme s'il y avait un pignon qui s'est barré. C'est ce qu'il m'a dit. Là, quand je kick. Je sais pas si tu peux entendre, on entend clac clac. Alors je soupçonne que les soupapes viennent frapper dans les pistons. Il doit y avoir une chaîne de distrib de morte là-dessus. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va démonter. Je vais la rentrer dans. Tu vois ça là? Je l'ai rentré, j'avais pas assez de batterie sur le téléphone. Le temps que le téléphone charge, j'y suis descendu. Parce que moi je suis un mec qui est très impatient, très pressé. Donc je suis descendu, j'ai démonté. Franchement, mais comment on peut faire un truc pareil, merde? Voilà, tu vois, j'ai tout démonté. J'ai démonté le haut moteur. Premièrement, j'ai vérifié le calage de distribution. C'était parfait. Je me dis, vas-y, je démonte tout. Je démonte, je fais déculasser. Je tourne le moteur, puis t'en bouge pas. Ok, j'arrache le sien, je te montre. Voilà comment je retrouve le moteur. Le piston, lui, il est resté là, au fond, donc il n'y a même plus de piston. Je l'ai tiré, j'ai vu ça, je l'ai posé au sol, je suis monté en haut, je suis allé chercher le téléphone qui était en charge. Là, je suis à 30% pour vous montrer le truc et qu'on découvre ça ensemble. L'axe est bloqué. La portée de roulement, on dirait bien. Et regarde au fond. Tu le vois, lui, là, au fond, là? Guette ta segmentation. Oh, si je peux prendre. Oh, enculé. Mais non, mais c'est une blague. Comment un moteur, il peut faire ça? Il y a d'autres trucs là-dedans. Putain. Il va falloir que je chauffe le moteur en deux. Oh, ouais, non, putain. Il y a un bout de piston dedans. Putain, c'est fou, la boîte, elle est touchée et tout, putain. Allez. C'est plus serré qu'une bonne femme, ça, là. Guette, le piston. Ah, c'est le bout du jupe ou le piston, ça. Ah, c'est piston, mais c'est sérieux. C'est quoi, ça? Bon, mais du coup, là, ce que je dois faire, ce qui est très chiant, je dois retomber le moteur. Tu comprends bien qu'on va devoir refaire le moteur à neuf. Roulement, et vélo. Piston, cylindre, culasse. Ah, mais j'en ai un en haut. J'attends à récupérer les pièces qu'il y a celui d'en haut pour le mettre dans l'écarteur noir. Parce que celui d'en haut, il n'est pas allumage électronique. Et c'est l'écarteur gris. Oh! Le poids. Bon, bah déjà, je vais démonter le bloc. Donc tu veux mon frère, je te mets un petit timelapse là, le temps que je démonte le moteur, mais non, regarde là, et en attendant tu t'abandonnes tout ça là, mes couilles. J'espère que tu t'es abonné, tu t'es commenté, que t'as liké, que t'as partagé, tout et tout, hein. Eh ma couille. J'espère que j'avais ça pour moi, hein. Hein?
Ah, j'ai réussi à les voter. C'est parti, maintenant on le pose sur l'établi et ben on va l'ouvrir. Tout simplement, ça prend 2 secondes, donc on va l'ouvrir. Bon, un petit Paul Kishinei, j'ai trouvé la faute. Ça coule pas. Y a même pas d'huile, y a rien. Donc voilà pourquoi ça a explosé. Si tu veux savoir pourquoi il a explosé le moteur, donc voilà, il y avait pas d'huile. Ça a chauffé, et... clac, ça a pété net. Ouais, j'ai fait tomber le moteur, mais mort. Voilà, j'ai tout laissé en fait. J'ai tout débranché au niveau du démarreur, débranché l'allumage, parce que c'est un allumage extérieur comme ça là. Et là, c'est toutes les pièces qui sont mortes. Sauf la culasse, ça va encore, mais elle a pris un coup dans l'aile. Donc on va tout changer. Hein. Cilindre, piston, culasse, sève vilebrequin et tous les roulements moteurs et tous les joints. Bang bang, faut que cette moto soit neuve, hey. Je la prends pas, c'est juste que je la prends, je la remets toute neuve. Après ça part.